My name is Alan Kasuja. Thank you for tolerating me, and I wish. Merci de m'avoir supporté pendant tout ce temps-là. Je suis Alan Kasuja. Merci encore à tous. Ladies and gentlemen, please welcome international TV journalist Elizabeth Changui. Elizabeth Changui, journaliste télévision internationale. Bonjour, bienvenue à tous. Good morning and welcome to all you. Welcome, President Ali Bongo Ondimba. I'd also like to salute the Prime Minister of Benin, Lionel Zinsou. Welcome, everyone. Who run the world? Girls chant Beyoncé. On aimerait bien. And so we have chant Beyoncé. Pas encore là, mais la révolution est en marche, y compris en Afrique. Un exemple, le Parlement le plus féminin au monde n'est pas dans un pays scandinave, mais bel et bien en Afrique, au Rwanda, où 63% des députés sont des femmes. Preuve qu'en matière d'égalité femmes-hommes, l'Afrique peut être une source de bonnes pratiques pour le reste du monde. Au Rwanda, elles ont pris le pouvoir législatif, mais quid ailleurs en Afrique? On ne peut pas investir correctement et durablement dans ce continent sans passer par les femmes qui portent au quotidien notre continent. Alors comment et par quel mécanisme encourager le leadership féminin? Comment optimiser cette énergie que nous portons toutes en nous? Quelles initiatives concrètes peuvent être prises pour insuffler la logique de la gagne chez nos filles, pour les mener vers des carrières encore trop masculines, sciences, technologies, digitales? Il y a beaucoup de jeunes femmes ce matin dans la salle. Alors cette session est pour vous. Nos panélistes sont là pour vous répondre. Je vous les présente. And I switch to English because most of them speak English. So let's start with you, Rahama Wright. Hello, welcome. You're founder and CEO of Xi Yelin, member of President Obama's Advisory Council on Doing Business in Africa. Raina Tusson, Executive Director of Make Everyone Count. It's an organization that monitors and publishes an annual report as an audit of the status and conditions of women in each African country. Welcome to you, Tigi Danke Kamara, Chairman and CEO of Tigi Mining Group. And welcome, Mr. Getachew Njida, Deputy Director at General at UNESCO. We'll start with you and some opening remarks on education. So I don't want to hear any criticism about the fact that we start a session dedicated to women leadership. Donc, je ne veux aucune critique sur le fait que, bien que l'on parle du leadership féminin, il y ait d'abord un homme, s'il vous plaît. Excellencies, ladies and gentlemen. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous remercie de cette invitation à prendre la parole devant le Forum de New York Afrique 2015, organisé sous le haut patronage de Son Excellence Ali Bongo Ondimba, en collaboration avec le gouvernement du Gabon. C'est un honneur de participer à ce forum au nom de l'UNESCO, sur un sujet au cœur de nos préoccupations, au cœur de l'avenir de l'Afrique et du monde, le développement du leadership au féminin. La jeunesse, les hommes, les femmes d'Afrique sont les premières ressources du continent. La moitié de cette ressource provient de l'énergie et du talent des femmes. L'Afrique donne l'exemple. Par le nombre de ces femmes entrepreneurs, elles sont presque aussi nombreuses que les hommes sur le continent à s'élancer dans la création d'entreprises. Elles constituent la majorité des petits agriculteurs, ce qui soulève également des enjeux considérables d'accès à la terre et à la propriété. La population d'Afrique est celle dont la croissance est la plus rapide et la plus jeune de la monde. Cette nouvelle classe de consommateurs et de citoyens est en train de bousculer le paysage du continent. Et ce sont les femmes et les filles qui tirent cette dynamique. Il y a un
elle, un potentiel encore très largement inexploité. Et nous devons, par l'éducation, la science, la participation civique, faire éclore tout le potentiel de filles et de femmes pour libérer une énergie qui va réagir sur tout le continent. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, UNESCO started the celebration of its 70th anniversary in October 2014 il y a peu, en rendant hommage au grand leader Nelson Mandela. Un an après cette conférence pour les femmes en 1994 en Pékin, le président Nelson Mandela a déclaré lors de son adresse à la nation, la liberté ne peut pas être atteinte tant que les femmes ne se sont pas libérées de toute forme d'oppression. Cette vision vient en même temps que la 20th anniversary of the African Women's Decade 2010-2020 and the 15th anniversary of the United Nations Security Council Resolution 1325. In recent decades, there has been tremendous progress across the world. Depuis, il y a eu des progrès maternal mortality has been cut by almost half. Maternelle a été more and more women are active in politics. De plus en plus de Africa boasts 14 of the world's 46 Afrique, countries where women account for more than a quarter of parliamentarians. Où les the Economist magazine estimated the increase of employment of women during the last decade has added more to the global growth than China. And yet, barriers remain. These barriers push women into the informal economy, stunt their capacity to grow their business, undermine their contribution to the economy. Girls and women are still the majority of out-of-school children, youth and illiterate adults across the world. According to the UNESCO's Global Monitoring Report, si l'on regarde le rapport de l'UNESCO sur l'éducation, there are 31 million girls who should be in primary school, but are not. And the number is higher for secondary school. Le chiffre est in sub-Saharan Africa alone, if trends continue, Afrique the richest boys will achieve si universal continue primary cette tendance, seuls les garçons les plus riches arriveront au niveau de l'université, alors que les jeunes femmes devront atteindre l'âge de 28 ou 29 ans pour pouvoir rejoindre l'université. Il reste presque 500 millions de femmes illettrées. Et simplement, la plupart du temps, parce que ce sont des filles, elles doivent travailler et ne peuvent donc rester à l'école. Les rapports de l'UNESCO montrent que la violence au niveau des écoles reste forte, particulièrement envers les jeunes femmes. Ceci n'est pas acceptable. La position de l'UNESCO est claire. L'égalité des genres est un droit fondamental, est une force, un atout essentiel pour la paix mondiale. Il faut donc une vraie rupture si l'on veut accélérer le développement humain pour développer des possibilités pour les jeunes femmes sur le marché du travail. Ceci doit faire partie de l'agenda du développement économique global qui sera évoqué lors du prochain sommet à New York. L'UNESCO supporte et soutient le plan stratégique africain 2014-2025. Nous avons inclus ce plan dans notre plan global à l'UNESCO de telle façon que la participation des femmes soit augmentée dans toutes les activités et dans tous les territoires.
en 2012, le Dr Zuma a célébré le 50e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes. À cette occasion, nous mettrons en avant la place et le leadership des femmes. Nous avons mis en place un prix de e-learning pour les femmes, mettant en avant le rôle des femmes dans la participation et le développement du continent à partir des nouvelles technologies. Les jeunes filles et les jeunes femmes à travers le continent et le monde prennent leur place petit à petit au niveau des écoles, au niveau du monde politique, au niveau du monde des affaires. Pour la République démocratique du Congo, l'UNESCO a fait un rapport qui montre ces avancées et qui sert également à prévenir la violence. Au Ghana, au Mozambique, au Nigeria, l'UNESCO a mis en place des programmes d'éducation. Au Maroc, nous mettons en place des programmes pour aider le leadership des femmes. L'UNESCO fait de même dans d'autres pays. En 2011, l'UNESCO a lancé un programme général pour les jeunes filles et les jeunes femmes avec Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, et le secrétaire d'État américain à l'époque, Hillary Clinton, pour lutter entre autres contre le fait que les femmes ne pouvaient pas lire et écrire. Nous avons fait la même chose en Tanzanie et d'autres pays. Nous en avons parlé déjà. Il faut mettre en place ce que nous appelons un pouvoir doux de telle façon qu'au niveau du gouvernement et au niveau du secteur privé, nous puissions avancer dans cette direction. Il faut des initiatives communes entre les gouvernements, les pouvoirs publics et les pouvoirs privés, de telle façon que nous puissions avoir des dirigeants féminins. Je sais que vous connaissez tous et vous vous rendez tous compte de l'importance de ce sujet en Afrique. Et vous vous rendez compte ici, et je trouve que c'est une bonne chose que je suis le seul homme maintenant pour cette discussion. Et auparavant, avant moi et pendant toute la matinée, il n'y avait que des hommes ce matin. Vous voulez des commentaires? Vous avez parlé du point clé qui est l'accès à l'éducation, mais l'accès à l'information est aussi clé. Je crois que l'accès à l'information, effectivement, a été plutôt négligé ces dernières années. Lorsque l'on travaille avec les femmes, lorsque l'on les aide, on oublie souvent qu'elles ne sont même pas au courant de la législation de leur pays. Donc, ce qui est important, c'est d'abord de leur dire ce que la loi leur permet de faire, comment la loi les protège. Pour nous, quand nous avons commencé en 2010, quand nous avons commencé notre programme, nous avons voulu nous concentré sur le fait que les femmes aient accès à l'information les concernant, aux informations les concernant. Depuis, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, soit on s'arrête, on regarde ce qui a été fait pendant 10 ans, ou bien nous mettons en place un nouveau mécanisme et nous faisons en sorte que les gouvernements soient véritablement responsables. Et c'est cela que nous avons commencé à faire. Et tous les ans, nous regardons ce qui est fait au niveau de chaque pays pour l'employabilité. Nous envoyons ces rapports aux associations des droits des femmes. Et nous avons fait cela grâce à de nouveaux moyens qui nous permettent de bien
avoir accès à l'ensemble de la population féminine, de savoir quels sont les investissements qui sont faits. Donc c'est très important que les femmes soient vraiment prises en compte et viennent là. Carrière scientifique, hein, c'est quelque chose à encourager. Et vous êtes un role model, Thierry Dunkey-Camara. Vous avez une sacrée trajectoire parce que vous avez commencé comme mannequin et aujourd'hui vous êtes dans les mines. Un secteur plus masculin n'existe pas. Comment avez-vous fait pour en arriver là et quels obstacles avez-vous dû éventuellement surmonter? Ok, merci Elisabeth. Mais avant de répondre à ta question, je voudrais quand même interagir un peu avec le public. Je vois dans la salle qu'il y a beaucoup d'hommes. Merci beaucoup les hommes de nous soutenir ce soir. Mais je voudrais voir plus de femmes, spécialement plus de jeunes femmes aujourd'hui, parce que ce panel, ça concerne les femmes, le leadership des femmes. Comment est-ce que les femmes vont pouvoir intégrer le secteur de l'entreprise, des secteurs privés et devenir des femmes leaders? Ben, aujourd'hui, je vois qu'il y en a qui sont là, ben merci beaucoup. Donc, pour toutes les jeunes dames qui voudraient un jour avoir leur propre entreprise, je leur dirais que c'est possible. Comme elle vient de le dire, j'ai commencé en tant que mannequin, donc la beauté et tout ce qui s'ensuit, mais j'ai décidé au cours de mon trajectoire que je voulais faire plus. Je voulais être plus indépendante. Je voulais apporter un plus à mon secteur, à la gente féminine et à mon pays. Donc, commencer par le mannequinat et me retrouver aujourd'hui dans le secteur minier, ça a été un parcours pas trop facile, mais aussi facile pour moi parce que c'est une passion. C'est quelque chose que j'aime. Et je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai eu l'aide de beaucoup de personnes, surtout des hommes qui m'ont aidée, à savoir M. Attias, qui est l'un des mentors, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour donner cet exemple que ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est la volonté. Qu'est-ce que l'on veut faire? Donc le secteur minier, on dit c'est un monde d'hommes, mais je pense qu'il n'y a pas de genre dans l'activité qu'on veut faire. Il faut juste avoir la passion, il faut s'éduquer et s'entourer de personnes qui puissent vraiment nous guider vers ce que nous voulons faire. Donc dans un sens, c'est difficile, c'est pas difficile. J'ai appris de mes défaillances. Au début, je connaissais pas bien c'était quoi le secteur minier. Donc, j'ai demandé, je me suis entourée de géologues qui s'y connaissaient très, très bien. J'ai tapé à toutes les portes. Et c'est sûr, il y a beaucoup d'entre vous qui savent quand on dit « Tigui, on me connaît, je suis une petite peste ». Tant que tu ne me donnes pas ce que je veux, je continuerai à forcer la porte jusqu'à ce que j'ai ce que je veux pour pouvoir avancer. Donc je dirais aux jeunes dames, ayez la passion, vous avez une vision très claire, entourez-vous de personnes qui puissent vous guider, éduquez-vous et, comme on le dit en anglais, the sky is the limit. For me, even the sky is not a limit because I believe in my ability, I believe in the passion and I know with that and education, I could do anything. I don't know if I answered the question. Sure you did. Thank you. Sure you did. Mentorship is a key point. Huh? A mentor is necessary to help us. Donc oui, il est important d'avoir des sponsors, des mécènes. Alors, on avait vous eu, vous aussi, et était-ce un homme ou une femme? Écoutez, je suis très content d'être là pour raconter ce qui, mon histoire, ma vie. Alors, le mécénat est extrêmement important pour moi. Lorsque j'avais 20 ans, je n'avais pas d'argent. Je vivais à Malé. Mais je savais que je voulais aider les femmes en Afrique. Produire ce qu'il y avait et transformer ce produit, le beurre de coco. Je n'avais aucun argent, je n'avais aucune idée de la gestion, aucune idée de la gestion des affaires. Ça m'a pris 10 ans pour arriver au moment où j'ai pu commencer à commercialiser mes produits, avoir mes premiers investissements. Et aujourd'hui,
Nous avons un tour de table d'investisseurs importants qui inclut Citigroup et Time Warner. Donc, je me rappelle quand j'avais donc 20 ans, aucune expérience, aucun réseau, aucune connexion. Et il faut avoir des relations stratégiques clés, avoir autour de soi des personnes qui sont prêtes à vous aider et à vous faire passer au stade suivant. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, c'était à la fois des hommes et des femmes, des individus qui ont eu confiance en moi lorsque j'étais toute jeune et qui ont pu me soutenir. L'un de ces mentors aux États-Unis, il y a un programme qui est un programme de master grâce auquel j'ai pu être conseillé. Ils m'ont aidé surtout pour mettre en place mon business plan, faire mes premiers comptes de résultats, trouver des investisseurs en capital, et si je veux reboucler sur ce que Ms. Kamara a dit, n'attendez pas que tout soit bien au carré et parfait avant de commencer. Ça ne sera jamais. Mais si vous croyez fortement quelque chose qui représente quelque chose pour vous, lancez-vous. Nous, les femmes, nous attendons. On attend que quelqu'un nous donne « OK, tu peux y aller ». On attend que quelqu'un nous donne de la confiance. Je crois qu'il faut que maintenant, on se rende compte que nous, femmes, eh bien, on peut y aller. On a besoin de personne. C'est pas parce qu'on est du genre féminin qu'on ne peut pas avancer. Et au contraire, on doit être fier de cela. La première fois que j'ai dit que j'étais une femme, et c'est le jeu de mots que l'on a entre l'anglais et le français, sur « man, women, male, female », on ne l'a pas en français. Et donc la différence entre être une femme, c'est quoi être une femme? Je peux être une négociatrice dure et en même temps une femme. Je peux prendre des mesures impopulaires et pourtant être femme. Je peux être une mère avec mes enfants et rester une femme. Et je suis une femme. Mais comment est-ce qu'on peut changer cette perception? C'est très difficile, n'est-ce pas? Je crois que pour moi, ceux qui sont dans la diaspora, par exemple, c'est que l'image de l'Afrique, on a cette image des femmes africaines pauvres, de ces violences. Mais lorsque l'on est dans la diaspora à l'étranger, il faut qu'on change cette image à travers les réseaux sociaux. Et la femme africaine n'est pas sans défense. Elle sait faire des choses. Elle fait ça depuis des dizaines d'années. Donc, par contre, il faut mettre en place les différentes plateformes pour le faire savoir. C'est toujours l'histoire du pêcheur. On n'a pas besoin de nous apprendre à pêcher. Il faut changer l'image de cette femme africaine qui n'est pas faible, mais qui est forte. Donc, il est pour moi important de véhiculer cette image. Et c'est ce que je fais, d'ailleurs, dans mon organisation, d'apporter cette image positive de la femme américaine, de la femme africaine, qui est forte, qui peut faire beaucoup de choses. Donc, je suis vraiment ici heureuse de voir mes collègues qui font des choses extraordinaires. Donc, il y a l'image, d'une part, mais d'autre part, il faut qu'on puisse encourager la jeune génération, il faut qu'on puisse l'aider. Mais est-ce qu'on est sûr que nous, de la diaspora, est-ce qu'on est capable de les aider, elles, en Afrique? Mais encore une fois, il faut qu'on se base sur la jeunesse. Quand il y a des conférences, il faut que les jeunes et les jeunes femmes soient là. Mais, par exemple, quand j'étais jeune, il y avait Aïcha Ba, qui était la ministre de l'Éducation, et elle a utilisé sa place pour, en Guinée, aider et mettre en place des programmes pour les jeunes filles, les fillettes, pour qu'elles aillent à l'école. Et ça s'est fait, et donc c'est possible. Absolument.
On va prendre quelques questions dans la salle, si vous voulez bien. Some questions, very short and precise, please. Des questions courtes et précises. On prend quelques questions dans la salle. Oui, madame. Ou mademoiselle. Bonjour. Bonjour, je suis Charlotte Libog de la plateforme Afrique Renée du Monde, donc une plateforme dédiée justement à la promotion de l'entrepreneuriat agricole en Afrique subsaharienne. Alors, je pense que l'un des obstacles majeurs liés en fait à la question du leadership féminin, c'est celui des obstacles donc, qui sont les nôtres, qu'on rencontre. Et je crois qu'il faudrait réellement que chacun puisse prendre ses responsabilités. Effectivement, comme l'a dit l'une des panélistes, c'est à la femme elle-même de prendre confiance en elle et de réellement être consciente du réel potentiel qui repose en elle. Mais au-delà de ça, il est capital que les différents dirigeants africains puissent réellement comprendre qu'aujourd'hui, le développement du continent ne pourra se faire qu'avec une réelle promotion de la question du leadership féminin, ce qui est très loin d'être le cas. Mais voilà. Vous faites allusion à quel type d'obstacle ? Essayons d'être concrets, parce que justement, je pense que c'est comme ça qu'on avance. Alors, pour être concrète et pratique, je vais parler des obstacles relatifs déjà à nous-mêmes, donc croire en nous. Le premier chantier, c'est celui-là, celui de la confiance en soi. Ensuite, je parlerai des obstacles externes que constitue justement la junte masculine, on va le dire comme ça. Il faut nous aider, prenez vos responsabilités, accompagnez-nous en interne parce que effectivement, une femme qui décide de libérer son potentiel, très souvent, malheureusement, est confrontée à d'énormes difficultés en interne quand elle est en ménage parce que monsieur ne veut pas, parce que c'est très difficile, parce que les enfants en pâtissent, etc. Donc on a besoin de vous, impliquez-vous pour que nous puissions, nous, libérer notre potentiel. C'est vrai que c'est un problème sociétal parce que malheureusement, sur 10 femmes leaders, vous verrez qu'il y en a au moins 7 qui se retrouvent seules. Et très souvent, c'est une souffrance qu'on traîne avec nous. Et voilà, il faut vraiment, vraiment une réelle implication des hommes. Nous avons un potentiel inouï que nous ne demandons qu'à libérer et nous ne pourrons le faire qu'avec votre implication. Donc, au-delà de ça, il y a également, en termes d'obstacles, on peut relever également le manque de solidarité féminine. Voilà, nous sommes déjà très peu à justement aspirer à ce leadership, mais entre nous, on se tire dessus. Donc, il va falloir travailler là-dessus aussi. Donc, okay. C'est un peu plus épineux, mais c'est un autre obstacle relatif à cette question. So, how do you react to that? The lack of support from men, the lack of support from women? Est-ce qu'il y a un manque de soutien de la part des femmes et des hommes? Oui, alors le manque de soutien des hommes, oui, je suis complètement d'accord. La plupart des mécènes et sponsors, c'est des hommes. Je ne pourrais pas nommer une seule femme, sauf ma mère, évidemment, qui m'a aidé lorsque j'étais jeune. Mais si je suis ici maintenant, c'est parce que beaucoup d'hommes m'ont aidé. Nous, les femmes, lorsque l'on se réunit et qu'on dit qu'on est des victimes et que les hommes nous maintiennent comme ça, un peu prisonnières, c'est pas vrai. C'est à nous d'apprendre et d'éduquer les hommes. Il faut qu'on leur explique notre rôle. En fait, notre rôle en tant que femme, on est mère, on est sœur, on est là pour éduquer. Et si on les prend dans le bon sens, les hommes, eh bien, ils accepteront et ils se rendent compte que les femmes font déjà des choses extraordinaires. Donc oui, d'une certaine façon, il y a certains hommes qui restent « difficiles », entre guillemets, mais je pense que maintenant, les hommes sont prêts à accompagner, à nous aider. Donc il faut peut-être remettre un petit peu de nuance dans ce que j'ai dit ça. Alors ensuite,
On a toujours tendance à ne pas se faire suffisamment confiance. Je crois qu'on se dit, oui, mais alors si je peux faire ci, je peux faire ça. Non, il faut être sûr de ce qu'on fait ça. Il faut être visionnaire. Par exemple, moi, je savais qu'en tant que mannequin, donc c'est ce que je voulais faire au début, mais je savais à un moment donné que j'allais changer. Maintenant, je lis, je pense, j'utilise les bons mots, j'ai appris énormément. Mais je crois que j'ai une petite entreprise, mais je suis directrice générale. Je ne vois pas pourquoi je me considérais comme moins importante que les directeurs généraux des grosses boîtes. Alors, ceci nous ramène à l'éducation. Je me rappelle de ce que le président Ouattara a dit hier, lorsqu'il était dans une province du nord de la Côte d'Ivoire. Il a demandé à des petits ce qu'ils voulaient faire. Le petit garçon a dit « je veux devenir président » et la petite fille a dit « je veux être infirmière ». Et la question, c'était « mais pourquoi pas docteur ?» Donc, comment on peut changer la mentalité? Comment on peut aider les petites filles à penser plus large, à penser plus loin? Tout d'abord, j'admire mes quatre sœurs qui sont ici d'avoir réussi à briser leur chaîne, à leur confiance, grâce à l'aide qu'elles ont pu avoir. Compte tenu aussi de l'environnement dans lequel elles étaient, mais la grande majorité des femmes, malheureusement, n'est pas dans cette situation. La situation 70 ans après la déclaration de l'ONU et de l'UNESCO de la déclaration des droits de l'homme et que les femmes et les hommes étaient égaux devant la loi, ça ne fonctionne pas encore bien. Ça commence dans la famille, puis dans la communauté, puis dans la région et enfin dans le pays. Pour que cet environnement change, il faut énormément de choses. Je pense que ce qui est le plus important, c'est l'engagement politique des dirigeants dans le monde. Aujourd'hui, il faut regarder les choses comme elles sont. Aujourd'hui, c'est dominé par des hommes, des mâles chauvinistes. Donc il faut changer les mentalités, et ça on a besoin de cette prise en compte politique. Ensuite, il faut changer au niveau de la société, reconnaître l'importance de la place de la femme dans la société. Je crois ici que personne ne peut dire que nos mères n'ont pas contribué à notre éducation, à notre croissance, et pourtant, on les met à une place qui n'était pas la sienne. Ensuite, il faut, à travers l'éducation, il faut que l'éducation aide les filles et les femmes à atteindre leur potentiel. Ceci nous manque aujourd'hui. Ceci est un échec, car nos enfants vont à l'école à l'âge de 5 ans et ils en sortent 18-20 ans après. Ils ont certes acquis des connaissances techniques, mais les habitudes de vie qu'ils ont vis-à-vis de la vie, de la femme, etc., n'ont pas du tout été abordées. Donc il faut que comportements, ces valeurs démocratiques, de respect, etc., soient prises en compte dans l'éducation. Donc, de cette façon, on peut considérer que l'éducation, le budget de l'éducation, n'est pas une dépense, mais un investissement. Et il faut investir pour aider les femmes. Alors, c'est vrai qu'il y a l'éducation formelle, entre guillemets, puis il y a l'éducation dite informelle. Eh bien, nous travaillons avec un certain nombre de femmes qui sont dans le Ghana isolées. Alors, nous cherchons à faire en sorte que ces femmes travaillent ensemble à travers une chaîne logistique
qu'elles chacune fassent leur travail et qu'enfin nous puissions commercialiser leurs produits. Alors, même si vous n'avez pas reçu une éducation primaire, secondaire, vous pouvez recevoir une éducation ensuite de telle façon qui s'adapte à votre propre écosystème. Bon, moi je suis aux États-Unis, je vends ces produits, mais vous pouvez utiliser les ressources locales et les connecter au marché. Les populations locales, des femmes qui luttent contre la pauvreté, ont pourtant toujours le potentiel de devenir des dirigeantes d'entreprises. Alors, c'est vrai que quand on parle de dirigeants d'entreprises, on voit tout de suite quelqu'un en costume, etc. Et on ne pense pas du tout que ça peut être quelqu'un qui peut être une femme dans son village en Guinée du Nord. Et pourtant, nous, femmes, devons prendre en compte l'importance de la voix. Pour nous, la voix, c'est un problème pour les femmes. Alors, on n'a pas confiance. C'est votre voix. C'est la vôtre. Personne ne peut vous l'enlever, mais personne ne peut vous la donner. Donc, vous-même, femme, vous devez utiliser votre voix, la développer. Et pour moi, par exemple, quand j'ai commencé à m'exprimer et à chanter et que je me trouvais devant un public, j'avais horriblement peur. Et puis, lorsque j'ai appris à parler devant un public, j'ai pris confiance. Donc, je crois que c'est important. Quelquefois, on regarde des gens, on voit où ils en sont, où ils sont arrivés, mais on ne se rend pas compte de toutes les étapes qu'ils ont dû passer. On a tous toutes les ressources et la boîte à outils. Parmi ces outils, il y a la voix. Et je voudrais terminer rapidement. On a parlé du mécénat. Et de la construction de réseaux. Il y a un programme qui s'appelle le programme pour l'entrepreneuriat des femmes en Afrique. Eh bien, ceux-ci mettent en réseau des entrepreneurs femmes en Afrique qui ont leurs propres entreprises, qui s'aident les unes les autres connectées. Et je vous recommande d'aller vers ce réseau, de vous y engager. Le président Obama a dit il y a peu deux choses importantes que les États-Unis vont soutenir trois centres au Mali, au Kenya et dans un autre pays d'Afrique qui débloquera des ressources pour les femmes. La deuxième chose, c'est que c'est engagé à ce qu'il y ait 100 millions de dollars en coopération pour que 10 000 femmes puissent avoir accès à travers leur entreprise à du capital. Donc, je vous en prie, regardez toutes les ressources qui existent déjà aujourd'hui et la façon dont vous pouvez les utiliser. Alors, vous parlez de la façon dont on peut faire en sorte que les femmes se prennent véritablement en main. Donc, quel exemple, quel cas avez-vous, pouvez-vous nous citer? Alors, nous nous faisons ce rapport tous les ans. Alors, je crois que ce que l'on peut dire, c'est que lorsque l'on parle de la participation des femmes aux affaires, je crois personnellement que les femmes devraient participer au monde des affaires, qu'elles doivent être indépendantes, mais qu'elles doivent être là où les décisions sont prises. Par exemple, lors des négociations sur les prix du pétrole, sur les nouveaux programmes d'éducation qui doivent être faits. On le voit au Rwanda, par exemple, où il y a plus de 62% des membres du Parlement sont des femmes. Voilà des pays qui doivent nous inspirer. Donc je vais là, au Rwanda, au Sénégal, pour vous ramener ces exemples.
Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit par la personne qui a parlé dans le public et sur la position des hommes. Je vais dire ça en français. D'avoir le support des hommes quand on parle de l'épanouissement de la femme. Mais ce support-là doit commencer au niveau de la famille, à la maison. Une fois que l'homme il est dehors, c'est fini, on peut pas faire grand-chose. Mais souvent, nos parents ils nous disent, ah, en tant que fille, tu n'as pas besoin d'étudier parce qu'il y a un homme qui va t'épouser après. On dit aux garçons, tu dois aller à l'école, tu dois étudier parce que tu dois prendre soin de ta famille. Il faut commencer à la maison, qu'on montre à nos deux enfants, le garçon et la fille, que vous êtes égaux. Vous devez tous faire les travaux ménagers. Que vous devez aller à l'école, mais que aussi la fille peut rêver d'être présidente un de ces jours. Mais souvent, les filles, quand on leur demande, je veux être infirmière, je veux être ça, c'est-à-dire, c'est très, on nous encourage pas à rêver. On doit rêver, mais aussi, oui. On doit rêver à être très haut et changer de paradigme when you talk about politics. Yes. Parce qu'on a fait de la politique comme c'était seulement le club des hommes. Les femmes doivent venir aussi, on doit avoir quelque chose à dire. Et moi, je me dis, quand un homme est bien éduqué au niveau de la communauté, à la maison, quand cet homme va dehors, il va respecter la femme. Il ne va pas battre sa femme, mais aussi il va encourager les femmes à venir dans le secteur. Je vous interromps. Merci pour ce vibrant témoignage. Je vous interromps parce que le temps presse et que nous aimerions prendre des questions dans la salle encore. Donc, mademoiselle, madame, voilà. Une question très courte. Très courte. Oui. Bonsoir, mesdames, messieurs. Manaï Hamel, de nationalité tunisienne. Je représente Mosaïque Ingénierie. Ma question, moi, je veux être pragmatique. On parle de difficultés, la difficulté avec les hommes. Quelles sont les mesures prises réellement pour que la femme puisse évoluer dans le milieu professionnel ? Ici, il y a des hommes d'affaires, il y a l'entrepreneuriat. Moi, je vais vous parler des exemples concrets. Est-ce qu'il y a des aménagements d'heures pour les femmes qui sont en grossesse, par exemple ? Est-ce qu'on a réfléchi à la possibilité d'avoir des crèches au sein de l'entreprise ou dans les environs pour éviter que la femme soit tiraillée entre son rôle de mère, qui est essentiel, et son rôle de femme d'affaires ? Y a-t-il des lois en interne dans les entreprises contre le harcèlement sexuel ? Parce qu'on n'en parle pas. Mais c'est une des plus grosses difficultés que les femmes vivent dans le milieu professionnel en général et dans la vie en général. Mais dans le milieu de l'entreprise, on ne veut pas de scandale. Donc il n'y a pas vraiment des règles, il n'y a pas vraiment des lois. C'est très difficile de prouver qu'on est victime. On arrive des fois à démissionner d'un poste parce qu'on ne veut pas... Question tabou, en effet, mais très prégnante. Voilà. Ranatou, vous avez à travers votre observatoire pour répondre rapidement à madame. Mais moi, je crois que ça, c'est un problème qui est très fréquent, pas seulement en Afrique, mais dans tous les pays. Par exemple, j'ai vu récemment un report où on parle de... Il y a des compagnies qui ont instauré le système d'avoir une crèche au travail, et ils ont dit leur production a augmenté comparé à ceux qui ne l'ont pas. Donc, la plupart du temps, les femmes doivent retourner au boulot parce que les nains qui quittent leur boulot après les congés de maternité parce qu'elles n'ont pas assez de temps de passer avec leurs enfants. Du coup, elles sont obligées de quitter leur boulot, de ne pas retourner au travail. Mais y a-t-il en Afrique certains pays qui ont pris des lois très claires en matière justement dans le secteur professionnel, dans le monde de l'entreprise, un cadre législatif ou non ? Vous savez, le problème qu'on a en Afrique, on a beaucoup de lois, mais pas d'implémentation. Il y a plein de pays qui ont des lois qui sont fantastiques. Vous savez, il n'y a pas un pays où je vais vous dire, quand vous regardez la législation, c'est parfait. C'est-à-dire les femmes, tout est là. Mais une fois qu'on arrive à l'implémentation, c'est toute une autre histoire. Ce n'est pas implémenté. Donc moi, je crois, c'est pour ça que je dis que c'est très, très important pour nous, en tant que jeunes, mais aussi en tant que civil society, business, to try to hold our government accountable. Faire pression sur le gouvernement pour faire appliquer les lois qui existent déjà. C'est très important parce que ça favorise un environnement pour le business, pour, tu vois, pour les jeunes et tout. Et tant qu'on implémente ces lois, on ne va pas aller de l'avant. Une question encore dans la salle. Alors, je continue tant qu'on ne me dit pas de m'arrêter. Donc, une question, madame. On a envie d'entendre la voix des femmes. Hein, donc, excusez-moi, je fais de la discrimination positive. Bonjour. Oui. Je m'appelle Carole Mouvier. Je suis... Question courte, s'il vous plaît. Oui. Je suis dans le secteur minier et je suis entrepreneur à mes heures libres. Donc, ma
question et surtout l'accès à l'information concernant surtout le mentoring quand on est entrepreneur dans notre pays. Avoir des images positives de femmes qui entreprennent, qui viennent d'ailleurs. Je vois, il y a des Tunisiennes, il y a des Ghanéennes, il y a des Kenyanes. Avoir des parcours qui nous encouragent à persévérer ici au Gabon. Et avoir cet accès à l'information en dehors de tous les, en dehors de ce forum, et en dehors des heures multiples à chercher sur Internet, qui peut bien nous aider, qui peut nous, nous encourager à suivre nos parcours d'entrepreneur. Do you have some tips for access to information? Yeah, especially she is in the mining sector. So I think I'm better. Alors, elle est dans le secteur minier. D'abord, vous évoluez dans le secteur minier. Il y a des associations des femmes du secteur minier. Il y a Women in Mining International. Moi, je suis cofondatrice de Women in Mining Guinea. Donc, il y a apparemment beaucoup d'associations maintenant pour les femmes évoluant dans le secteur minier, où nous avons des programmes de mentoring, nous aidons à éduquer les femmes pour savoir comment mieux s'entreprendre dans ce secteur qui est reconnu en général comme étant un secteur dominé par les hommes. Donc actuellement, maintenant, il y a beaucoup d'associations. Donc allez par exemple sur Women in Mining International ou bien Women in Mining Guinea, contactez-nous, nous pourrons vous guider. Et après cette séance, je pourrais peut-être échanger les cartes avec vous. Le Connect Lounge, j'ai fait pour ça, en effet. Merci. La session est passée trop vite, mais comme on dit dans mon jargon, je dois rendre l'antenne. Thank you very much. Thank you. Thank you for having us. All right.